sommes avec Arni Kapschitzer, président directeur général de Yetis Technologies en Suisse. Il nous présente sa montre Alpha Pro. Alors bonjour monsieur Arni Kapschitzer. Bonjour. Alors c'est un projet qui a débuté en 2013. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette montre? Tout d'abord, comme vous le dites si bien, c'est une montre. Et c'est la chose qui était importante pour nous, c'est de définir la fonction première de l'objet, à savoir de donner l'heure en toutes circonstances. Parce que c'est ce qui définit une montre, c'est un objet qui compte le temps et qui le donne à la personne qui porte la montre. Le mouvement, c'est un mouvement avec des aiguilles. Et alors ici, on a une montre avec une finition en carbone forgé et titane. Donc c'est un objet high-tech, mais c'est un objet horloger. Et c'est une montre qui a plusieurs nouveautés. En fait, il y a trois axes principaux qui sont de véritables innovations dessus. Le premier étant le contrôle de l'interface par la lecture de gestes. Ça, c'est une vraie innovation, ça. Alors, ça n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. Enfin, nous ne l'avons pas vu. Peut-être que ça existe chez quelqu'un dans un laboratoire, mais personne ne l'a mise en œuvre. C'est un réel avantage parce que comme c'est une montre, on a très peu d'espace pour faire des mouvements dessus ou pour toucher des icônes, pour les déplacer. Et en fait, notre volonté, c'était de simplifier l'utilisation de la montre et de la rendre ludique, le plus magique possible, le plus transparent. Et vraiment, le fait de passer la main comme ça pour regarder les menus et ensuite d'appuyer sur les poussoirs pour sélectionner les fonctions, c'était très horloger finalement. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, il n'y a pas de touchscreen, mais par contre, quand on veut faire une sélection, on reste sur des poussoirs, ce qui est la tradition horlogère. Ensuite, l'autre innovation de cette montre, c'est que cette montre ne dépend absolument d'aucun téléphone. C'est-à-dire que tous les systèmes qui sont le GPS, qui sont les capteurs biométriques ou les capteurs environnementaux qui sont implémentés dans la montre, fonctionnent en autonome. Vous pouvez aller nager, cette montre est étanche à 100 mètres, vous pouvez aller nager avec, ce que vous ne pouvez pas faire avec d'autres montres connectées. L'idée, c'est qu'une montre, en fait, ne doit pas être prisonnière d'un objet. En fait, en soi, la définition aussi d'une montre, c'est que c'est un objet qui est autonome, avec certaines limites, certes, mais la montre est un objet autonome. Vous ne pouvez pas linker la montre à un téléphone et dire que si vous allez faire un footing en forêt, vous devez automatiquement courir avec votre téléphone et avec votre montre. Du coup, il y a un des deux objets qui devient superflu. Et pour nous, il était important de redonner toute son importance à la montre. Le troisième axe concernant cet objet, c'est que ce qu'on appelle l'obsolescence programmée des objets n'est pas quelque chose dont on a tenu compte. Une montre, c'est un objet qui est fait pour durer. C'est un objet où il y a définition là-dessus, définition manuelle. C'est un objet d'art, même s'il y a de la technologie dedans. On conjugue les deux. Et typiquement, dans une montre, historiquement, le seul consommable qui existe, ce sont les bracelets. Dans un objet connecté, en général, c'est plutôt la batterie. Donc nous avons réuni les deux, bracelet et batterie. Donc quand on change le bracelet, on change la batterie tous les 2 ans et demi, 3 ans. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter exactement toutes les spécificités, toutes les caractéristiques qu'elle possède en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec cette montre? Alors dessus, nous avons un GPS qui est implémenté. Évidemment, on a des trackers d'activité dedans, podomètre, compteur de calories, on a des complications horlogères, donc on a des stopwatches, des chronos, on a aussi dessus évidemment tout ce qui est environnemental, donc nous avons altimètre, un GPS, nous avons un capteur d'UV, on a un hygromètre qui est intégré. Et voilà, aujourd'hui, alors ça, c'est un peu les fonctions de base. On a les pulsations cardiaques et l'oxymétrie qui sont aussi intégrées dans la montre. Et les choses sur lesquelles on travaille pour cet été, ce serait le taux de sucre. C'est la première automatique qui est connectée, oui, et c'est la seule. Donc avec un mouvement mécanique, parce que des mouvements quartz et des mouvements électroniques, il y en a eu. Est-ce que c'est la première et la seule qui est une smartwatch? Oui. On l'a compris, votre montre elle est automatique au niveau de l'heure, en tout cas du mécanisme. Mmh. Mais alors de l'autre côté, du côté électronique, comment elle se nourrit? Il y a une batterie à l'intérieur, comment ça se présente? Alors il y a une batterie et c'est recharge par induction. Les modèles de série qui vont être disponibles dans les semaines qui viennent auront une autonomie de l'ordre de 15 jours.
Alors, la montre est déjà commercialisée parce qu'il y a des gens qui la précommandent. Là, dans les semaines qui viennent, les gens qui vont être livrés sont les gens qui ont déjà commandé. Pour un prix minimum de 3 600 €, donc quelle clientèle vous visez avant tout? C'est la clientèle plutôt aisée qui va comment dire, ne pas trop compter pour s'acheter une montre, c'est ça? C'est plutôt la clientèle qui est une clientèle qui aime les montres, qui a envie d'une montre et qui a envie d'une montre connectée, qui a déjà expérimenté et qui sait déjà ce qu'est une montre, même une montre de haute horlogerie peut-être. Mais c'est une clientèle qui est une clientèle dynamique, qui est une clientèle optimiste et qui a envie de découvrir ce que l'horlogerie du 21e siècle peut apporter de plus. Donc on est ravis en tout cas de vous avoir accueilli une prochaine fois sur Objet Connecté. Merci beaucoup.